Salut tout le monde. Voilà, donc on se retrouve pour parler d'une nouvelle machine, le GoFind 60. Vous venez de voir un petit peu la mise en service du GoFind 60. Donc c'est le troisième d'une série, donc GoFind série, série 20, série 40, série 60. Celui-ci c'est le 60, donc le plus haut de la gamme, on va dire. Et on vient de voir la petite vidéo de démarche. Démonstratif pour la mise en service qui est relativement simple. Et bien voilà, on va essayer de tester cette machine un petit peu sur tous les terrains de jeu, donc du champ, du bois, du labour. J'ai prévu dans une autre vidéo éventuellement de le tester en ruisseau, de voir un petit peu au niveau du disque comment il se comporte en stabilité. Regardez, sur le bouton ici, sur le côté, on pousse de manière à allumer l'appareil. Et apparaît donc l'écran ici. Donc on va découvrir les quatre modes de discrimination, on va découvrir aussi un petit peu les touches et on va parler de la conductivité. Voilà, alors ici sur le pavé, donc tactile, c'est très tactile, très léger, il n'y a pas besoin d'appuyer très fort, ça prend de suite la commande. Donc on va retrouver l'essentiel ici. Le bouton de la connectivité Bluetooth, on en parlera un petit peu plus tard. Ici, vous avez le plus et moins, comme l'indique le petit pictogramme, c'est pour le réglage de la sensibilité. Ici, vous avez, c'est le mode de menu, en fait c'est pour changer les pages du menu, on va regarder un petit peu pourquoi. Là, c'est pour activer le pinpointer. Ici, c'est le son, le petit pictogramme, on le comprend. Et ça, c'est un petit bonus, quoi, en fait. C'est l'écran qui s'éclaire lorsqu'on est en détection ou nocturne ou semi-nocturne, peut-être dans les sous-bois où on a un peu moins de visibilité aussi. Donc c'est quand même très intéressant de l'avoir. Et puis à la plage, c'est toujours sympa aussi en tombée de nuit d'aller détecter avec les enfants. Voilà, donc c'est très simple. Il n'y a rien d'autre à manipuler. C'est relativement simple pour l'écran tactile. Voilà, donc dans la partie haute de l'écran directeur, vous avez effectivement les quatre modes de discrimination avec les différents écrans de commande des boutons qu'on vient de voir. Et au-dessus, vous avez un indice de conductivité, on va en parler aussi. Premier mode de discrimination, ici c'est, oui, vous l'avez compris, les ferreux.
Le deuxième, il s'agit de l'alu, l'aluminium, y compris quelques monnaies qui sont aussi ou autant conductrices, voire même l'or d'ailleurs, qui est conducteur comme l'aluminium. Vous avez ici le mode Jewelry. Jewelry qui, les bijoux, c'est bien détaillé. La petite tirette de canette, les douilles de chasse, certaines monnaies. Donc on ne peut pas s'en passer de ce mode-là. Et le mode Coins, donc là c'est pour les plus gros modules. Coins, monnaies qui sont sur des monnaies vraiment plus grosses en conductivité et plus hautes surtout. Voilà, donc ensuite vous avez en bas le curseur pour l'indice de réglage de sensibilité. Voilà, il est à son maximum et à son minimum, donc plage assez sympa de réglage. Niveau de la batterie, ici c'est la petite croix pour l'activation du pin pointer. Voilà, on l'active, on le désactive. Ici, on ne le voit pas, mais vous avez en fait l'affichage de la profondeur de la cible qui s'affiche. Et ici, c'est le curseur pour le réglage du son, qui a son maximum et qui a son minimum. On peut carrément le couper. Voilà, il y a évidemment la petite connectivité ici, également, pour la prise de jack. Donc le principe est le suivant, c'est qu'on peut détecter en tout métaux. Là ici on est en tout métaux. On appuie juste, alors l'écran est super tactile, il ne faut pas du tout appuyer, c'est très très léger. On passe le doigt et ça capte de suite. Tac tac. Voilà. Donc on appuie une fois sur la petite loupe qui est présente ici en rouge. Et on s'aperçoit qu'il manque un pictogramme. Donc en fait c'est le mode discret. Voilà, on a discriminé tous les ferreux. Voilà, c'est relativement simple. Si on rappuie, eh ben voilà, on discrimine tout ce qui est aluminium. Donc en fait, je ne vous cache pas qu'il ne reste pas grand-chose. C'est vrai que si on détecte sur ces deux derniers modules restants, on va capter pas grand-chose, puisque la plupart des sons aussi sur les monnaies conductrices alu sont dans l'aluminium. Et si on continue, eh ben voilà, on continue. Il ne reste que les gros modules. Pour les monnaies et les très bons conducteurs. Alors ensuite, attention, il ne faut pas se fier qu'à ça. Il faut se fier également au petit curseur coloré qui est en haut, donc rouge et vert. En fait, si vous avez une cible, on le verra dans la vidéo un petit peu plus loin, s'il y a une cible, vous avez de la couleur jaune, orange, rouge et vert. Si effectivement vous avez un curseur ici qui clignote vert et que ça clignote ici, c'est un très bon conducteur, cible potentielle. Si vous avez ce curseur qui clignote avec ici une LED rouge, aïe, attention, c'est peut-être un gros, une grosse masse ou un gros ferreux. Donc voilà, il faut faire attention aux deux modules. Ensuite, le mode pinpointer qui est très simple aussi, on l'active. Et voilà, sur les cinq petites LED, plus la LED est au milieu, ici pardon, je dérape, plus la LED est au milieu, plus vous êtes sur la cible. Alors un nouveau son avec le GoFine. Voilà, il m'a trouvé encore une petite bricole, c'est dans le trou, on va regarder ensemble. Ouais, vous apercevez, alors je trouve très léger, et il me semble que c'est pas une monnaie en fait.
Ça a pas l'air d'être une monnaie. On dirait une petite attache là, juste là. Je vais passer un petit coup de brosse à dents et je vous reprends pour voir ce que ça donne. C'est pas une monnaie, je pense c'est une broche qui est vraisemblablement cassée ou un couvercle de quelque chose. À tout de suite. Alors nous voilà. Donc j'ai passé un petit coup. Donc effectivement on dirait peut-être quelque chose, un bijou qui était porté en broche, je ne sais pas. Donc on distingue un profil. Il y a énormément de concrétion. Ouais, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors on va essayer de nettoyer ça à la maison tranquillou, mais juste sur les côtés, ici aux quatre coins, là, ici et l'autre côté, on aperçoit des restes d'attaches. Alors je vais regarder dans le trou s'il y a encore autre chose. Derrière on aperçoit comme un couvercle de médaillon peut-être. C'est léger. En quoi c'est, je sais pas, c'est doré dessous. Voilà, allez, on va regarder tout ça. Pour moi c'est une broche. Je pense. À plus. Donc un nouveau son et bon, c'est déjà sorti. Voilà. On l'aperçoit. Une petite bague en argent. Allez, je nettoie tout ça et je vous reprends. Voilà, donc c'est un peu plus propre. Et bien, c'est sympa comme tout. Merci au GoFind. Elle est très jolie. Donc, il y a des petites pierres dessus. Bon, elle est cassée. Voilà, elle est cassée, je l'ai détordue, mais. Voilà, c'est pour ça qu'elle a été perdue, à mon avis d'ailleurs, c'est parce qu'elle s'est cassée. C'est pour ça qu'elle s'est cassée. Bon ben super content. Très joli. Bon ben, j'arrive pas à nettoyer au milieu, mais. Voilà, ben, joli trouvaille. Donc en fait l'indice n'était pas sur Jeverly. L'indice argent était sur Coins. Allez, jolie découverte. Merci GoFind. Alors avec un nouveau son et un nouvel objet qui est ici, il l'a bien pris hein, notre ami le GoFind 60. Ah, un plan de sac, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait et il est sympa. Bon, cool. Avec un nouveau son, donc en fait ici j'ai fait une petite monnaie, un franc chambre de commerce, et là je pense que d'ailleurs la petite sœur, derrière la petite sœur en quelque part par là. Ah, regardez. Tac. Elle est là. On voit pas bien, c'est sombre. Voilà la petite sœur. Donc là, c'est pas une.
c'est un frein Morlon en bronze. Donc boursé de deux petites monnaies. Pour le GoFind 60. Allez, merci.